retrouver, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission au centre de l'actualité, une émission dont on parle de tout ce qui est de l'actualité. Aujourd'hui, je reçois pour vous, en fait, Fumu Kasongo, analyste penseur. C'est avec lui que nous allons nous entretenir à long et à large autour de l'actualité. Bonjour. Bonjour, Roma. Et nous allons parler de la marche du FCC et nous tous, nous savions très bien, nous avons vu en fait comment la marche des FCC et les Kakibongo Kitoko, comment avez-vous jugé les déroulements de la marche des FCC et Cash? D'accord, maman Norette, de nous avoir accordé la parole. Parlons de la marche FCC Cash. Je dirais d'abord, l'FCC Cash, il joue à quel jeu? Il faut d'abord déceler cela. Hein, donc, bon, jouer, ils jouent dans quel jeu? Parce que je dirais comme si ils sont dans la coalition. Et en d'autres termes, ils sont dans le pouvoir. Alors, nous avons vu cette marche-là, ils ont marché sous prétexte qu'ils étaient soutenir les institutions de la République. Ok? Mais malheureusement, ce n'est pas ça le cas. Parce que s'ils ont marché pour soutenir les institutions selon eux, alors, qu'est-ce qui bloque maintenant les institutions de la République? Vous voyez un peu des questions comme ça qu'on peut se poser. Qu'est-ce qui bloque les institutions? Et quels sont les gens qui sont à la base de ce blocage, n'est-ce pas, des institutions de la République? Ce sont eux, les gens de la FCC. Là, vous acquisez, en fait, la plateforme FCC, en fait, que nous, Bangoundé, Batbazak, ou bloqué Bongo, institution de la République démocratique du Congo. Mais nous accusons personne, maman Norette. Mais en réalité, nous vivions tous ici en République démocratique du Congo, tous en Mboka, hein, à Kinshasa. Et donc, tout le monde, hein, maman Kamonengezo Salama, et puis dans quelques secondes ici, au fur et à mesure, nous évoluons dans cette émission, nous avons démontré pourquoi ce sont eux qui sont à la base de ce blocage. Et Fumu Kasongo, peut-on dire que les FCC a corrigé en fait le parti au pouvoir qui est IDPS, l'autre fois IDPS a marché qui bongo, mais tout le monde qui n'a souk à l'ango, trouble, qui a eu des blessures, et puis bébé ça qui bongo, bien en fait, il y a population en fait. Pouvez-vous vous affirmer très bien que non, et les FCC en fait a corrigé comme ça le IDPS? Bon, parlons de la correction, c'est un peu trop dire, hein? C'est un peu trop dire, et puis bon. De toute façon, ni moto IDPC, ni moto ni je n'ai même pas un parti politique. Mais nous allons dire ceci, en d'autres termes, Tokolobake, quand tu dis qu'il n'y avait pas eu de casse et tout, on salue ça. Ça s'appelle marche pacifique. Là, on salue cette bravoure. Parce que là, toujours lingaté dans Mboka, que Batobabimi marche, Batobake Kotambola, pour nous revendiquer là comme X, Y. Et comment, cassure, bateau, là c'est pas bon. Là, on ne peut pas attaquer patriote d'abord, en amont et en aval. C'est plutôt cool, lingangote. Alors, parler de la correction, non, c'était très bien déroulé. Ça dit, marcheurs nabango, militaires nabango, ils ont bien suivi leur mot d'ordre, et puis voilà, ils ont respecté. Alors, du côté de l'IDPS, peut-être qu'il y avait eu hein, des infiltrés, parce que les infiltrés, manquaient souvent, n'a pas marche. On peut dire ceci. Fumuka songo nini wesa la kete population soki azo marché bongo asuka na ko bebisa ba bien ya population. Justement, c'est ce que je viens de dire. Donc si d'abord le mot d'ordre du parti. Ce qui est déjà mot d'ordre il y a deux parts, c'est mal respecté hein, en aval et plutôt en amont et puis en aval. Vous allez voir maintenant de feedback les retombées au monde à Bato Barossa, à Babilo, parce que d'abord c'est le mot d'ordre et puis l'encadrement et ensuite il faut veiller à ce qui est infiltré base à la terre. Alors les infiltrés aussi, ils sont toujours là, ceux qui les événements, ils en profitent pour bomber ça là dégâts à Bango pour et surcharger hauteur et à marche. Voilà, les côtés. Voilà. Quand la malade marche, il y a FCC, en fait, marche, on est les cas qui sont en train de se faire, tout le monde qui est population, les participants, il y a marche, il y a un souk, il y a un drapeau, il y a un tiré, il y a une population, il y a une discussion, il y a un cadre, il y a FCC. Justement, les gens doivent comprendre que dans chaque chose, il y a un débit, il y a un fin, et puis royauté, il y a un souk, il y a un souk, tu vois. Mobutu avant de partir, personne pensait ou sachait que Mobutu a soukanenga soukakiwana. Et donc, les gens doivent comprendre que le peuple congolais a lobby à Kalaza et les lotés. Et donc,
Bah, tu vas comprendre, parce que nous avions tous suivi hein, à la télévision, vous êtes de la presse, on a vu comment est-ce qu'on posait des questions aux gens. Papa, il y a un temps pour la ligne. On a un temps pour la loi, ceux qui s'accatent, tu vois un peu ça. Donc, en d'autres termes, ce sont pas de vrais militants, tu vois. Ce sont des gens qu'on a eu à ramasser par-ci, par-là. Et puis voilà, pour la toute première fois dans l'histoire politique de notre pays, de voir des cadres marcher, comme nous l'avions vu à l'FCC, c'était de ministres. Hein, bah, conduire bah, la carte, bah, fonction, bah, tout ça, nous les avions tous vu, hein, bah, bourgmestre et tout, bah, Marsha qui c'est pour la toute, je l'ai dit bien, pour la toute pomme de l'histoire en Bocanabiso. Alors, c'est là, c'est un danger. Moi, je le dis, c'est un danger même pour le parti en question, parce que ceux qui déjà bah, autorité, bah, on va vendre la cannabis, on va payer sa camétine, on va comme on quitte, on va mettre un terrain, il y a un problème. En d'autres termes. Au lieu de laisser la place à la population. Voilà, donc en d'autres termes. Voilà. En d'autres termes, cela veut dire qu'ils ont compris eux-mêmes que ils ont compris eux-mêmes que derrière est Batoubalingabango pour Nambongo. Vous voyez, donc je ne peux pas citer le nom par rapport aux audios, des images que nous avions vues des autorités qui disaient bon, voilà, Bino Kakambongo, Sambongo, pour mobiliser que Batote et toutes ces histoires-là, ça démontre déjà qu'ils ont l'accès à l'échec. Et raison pour laquelle vous avez vu Batoubatoumba qui ça s'appelle sabotage, en d'autres termes. Donc, tu vas tomber après mars, tu vas tomber les figies et tout. Cela veut dire Nayaki, Nazum, bon, on en a et ça, là, je n'en ai pas besoin. Le peuple, comme il mature. Pour moi, c'est mon côté, la malam, malam, en fait, marche, wana. Et lui, quand le BTP perdait, après ça, qui bongo, bon, on a pas participé, on peut pas marcher. Bon, c'est vous qui citez hein, le parti, moi, je parle. Est-ce vrai? Moi, je sais pas, c'est vous qui citez. Vous êtes en train de citer le PPRD. Moi, je ne cite personne. Je cite aucun parti politique ici. Mais néanmoins, nous disons... Non. Moi, je n'ai pas dit ça. Attention, maman. Nous parlons de manière extrapolatoire. Hein. Je suis en train d'extrapoler. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit ceci. Ce sont des signes hein, des temps. Ok, bah, il ne faut pas comprendre. Rien n'est tout le temps qu'on a cité, c'est comme ça. Et puis, nous, j'ai dit encore... Il y a eu des images ou des audios des autorités qui disaient que Bissoso qui va passer bien un bon côté pour qu'on mobilise. C'est ce que moi je dis. Et raison pour laquelle tout le monde qui va conduire, moi, je suis là qui n'a terrain. Mais pour affirmer que Mbongo y a là qui était, moi je n'avais pas vu là où les gens distribuaient de l'argent, mais on sait par rapport aux interviews que nous avions tous suivies à la télé, comme vous êtes de la presse, c'est vous d'ailleurs qui nous balancez vos images. Dans nos postes télévisés, donc nous avions vu ça. Et donc, là, nous avons compris que non, il y avait Bambongo et Pesa Maki parce que les gens disaient, Ngaï Naya qui n'a pas soutenir les Kamboboyo, Pesa Mbongo n'a pas pu n'accueillir. Vous voyez, alors dire que c'est tel parti, c'est un peu difficile parce qu'il s'agissait du FCC. Ce n'est pas PPRD que vous citiez, il s'agissait du marché, il y a FCC. Donc, bah, parti, c'est là qui moi, il belé au bas dans la coalition et puis voilà, c'est comme ça, bah, mais quelques temps, là. Merci Fumuka Songo. En fait, comment entrevoyez-vous l'avenir des FCC Cash? Trop mal. Trop mal. Donc, l'avenir, on a déjà mérité, mais bouf, le chef de l'État n'a pas de choix. Hein? Aza obligé de le faire, d'y être. Il n'a pas de choix. Mais l'avenir, là, ils ont vraiment. Ils ont prometté, hein? Donc, ils ont prometté. Non, mais dans le cas, il y a au fait l'accord au Basangana qui bon, il y a un mariage entre FCC et Cash Basangani, IDPS entre autres, dans FCC Basangana qui bon pour la Kotambu Samboka. Pourtant, on a toujours l'obéit à venir, on a très mal. Justement, parlons des accords. Déjà, il faut comprendre que FCC Cash, il y a un accord T. Il faut y avoir déjà. Il y a des accords des individus, hein? Des autorités morales. Secondo, il faut comprendre aussi que l'FCC et Cash, ils vivent dans la coalition, mais ils sont dans la cohabitation. Parce que nous voyons des effets néfastes sur le terrain. Je te démontre maintenant. Je pas si exemple, le chef de l'État, Mokonzi Mboka, le garant, il y a bonnes institutions, il y a bon fils, il y a Mboka au Congo. Ils ont nommé Batou. Ils ont salaboué. Mais ils ont à la base, ils ont bloqué. C'est toujours Bango. Mais comment Batou est dans la coalition? Qui dit coalition, cela veut dire que tu as le même esprit, tu as la même vision, tu as la même pensée. Donc, et Sengali n'a vu ce que tu as ensemble. Mais maintenant, sur les terrains, nous vivions autre chose. Chef de l'État, nommé Moto, le Premier ministre, quelques temps après, et après avoir tout ça. Et puis, pour la toute première fois dans l'histoire du pays, Yambokaoyo, de voir, moi j'appelle ça de mise en scène des mauvais goûts, hein. Ce sont des théâtralismes. Vous voyez qu'un chef de l'État,
à l'obili kambo, na tongo na medi ba toba contester yango. Nous l'avions vu, maman. Quand vous parlez des accords, moi je dis faux, il y en a vinaisable quoi les autres. Quand vous nous parlez de la coalition, je dis encore c'est faux, il y a pas la coalition parce que toke na ba tape moko moko. Ensemble na son chef de l'État l'obili mikambo boite. Boka qui présente l'assemblée à Kenda qui a rétorqué. Chef d'État l'obili bo moni présente Sénat hier a rétorqué. Chef d'État l'obili bo tout ça bo moni premier ministre et par via il a chargé la communication na à l'écart répondre chef de l'État à la télévision maman bomoni ango na quel pays bomoni ango na quel pays. Or la loi en question, si vous lisez la constitution, l'article 91 2 où ils ont lobé les comme ba nomination à chef de l'État et même le contre-saint ils ont lobé même si le chef de, le premier ministre est empêché le ministre oyo azo landa c'est la préséance. Il a droit à un fils qui a signé pour que nous le connaissions les cas. Ils ont vraiment le même moment le tabou. Non, bâtir un camibéco, bango moko, même le peuple congolais. Et là, c'est ça. C'est vraiment... comme la nomination des ordonnances signées par les chefs de l'État, contestées par justement, le premier ministre Sylvestre Ilunga. Voilà. Là, tu viens affirmer ce que moi, donc tu affirmes maintenant mon hypothèse de départ. Et ça, c'est trop mal. C'est très très dangereux même pour nous, le peuple congolais. Hein? Un premier ministre, tout le monde a nalobi na yo na maman. Voilà, c'est ça que je voulais d'abord. Avant de parler de Mutumbutu là, Mutumbutu c'est quoi? C'est là, je dis quoi? Désordre. Donc avant de parler de ces désordres là, Mutumbutu c'est que toi tu appelles, il faut d'abord comprendre que banani babanda ko bébé ko violer loi. Le même constitution, ce sont les gens du FCC qui ont commencé par dévirger cette constitution. Ce sont toujours le même DFCC qui ont commencé par violer la même constitution. Mais aujourd'hui, ce que tu sais, dit à Sali Yango, vous allez violer. Pour quel motif, pour quelle raison? Joseph Kabila Nassou Kanaye, tout le monde a qui commenté ce sera comme nomination partout. Tout le monde a qui moutou a contesté. Allo, bah, oh non, même le premier ministre, Nathan Wana, c'était Bruno Tshibala. Tout le monde a qui a les cas contesté. Nous n'avions pas vu ça. Bah, oui, contesté qui a voté parce que Kabila Zaki n'a pouvoir. Mais là, nous parlons de la coalition. Vous voyez, bah, ici, il y a la coalition. Avant ça, là, quoi que ce soit, oui, bien évidemment, je suis d'avis avec les idées du télévision. Mais néanmoins, il faut que chef de l'État n'a pas pouvoir pénailler. Régalier en attaque et autorité, en bon cas, il y a payé à cause de la terre avant ça, la Likamboutou, à que nous se référions à Songolo Pakala. Là, on a chef de l'État, sous-chef de l'État, il y a un mot de Mutumbutu, on a un zoloba, et Zoko Salama, parce que, Bazo, Kosala, en français, il n'y a pas la coalition de cohabitation. Quand la madame, amitié, en fait, il y a Félix Tshisekedi comme président, et puis quand la bonne, on a sénateur en vie, Joseph Kabila. Bangou, il y a amitié, la bonne, il y a qui tout. Mais quand la côté population, tout le monde a place, on a des autres, ils ont la macasse. Ni les population, base à la bongo, en guerre d'esprit entre FCC. C'est ce que les gens d'abord doivent comprendre que ce que mon chef de l'État, chaque fois, ils disent que ce qui n'a. Maki accord Rwanda, c'était pour sauver le peuple congolais, Makila est en Mbokate. Effectivement, il n'a pas tort, il peut y avoir raison. Ça, c'est le 1. De 2, lui, il a signé l'accord avec lui et Kabila. A signé encore on a FCCT. C'est que les Batoufoba Yebaka, ils doivent comprendre cela. A signé Bango Mibale. Or, en réalité, Bango Mibale, ils n'ont pas de problème. Mais ce sont maintenant leurs alliés, hein, Batouna Bango, tout ça, Moutouna Moutazo, Mouna. Allez, maintenant, ils ont ça, la Mabongote. Et tout le monde a des dérapages. Tout le monde a le contesté, il y a le biboye, il y a le zongiboye. Ils ont ça, ce qui est poussé, mon konambo, quand on a ma kamou, ce soit au salaté, pour biaiser selon le principe et le accord. En réalité, chef de l'État, nous l'avions suivi dans Brazzaville, il a affirmé ça devant Batoutou que l'accord n'a pas été Kabila, ils ont bien, ils ont démêlé. Bon, c'est tout à fait normal, hein, tous les gens qui ont été là, moi, si je suis là, je suis là, mais bon, à un moment donné, il va arriver que. Pour trouver un consensus, un compromis et tout, puis voilà, c'est ça. Merci, en fait, pour terminer, nous allons parler cette fois-ci, en fait, de l'élevé de l'état d'urgence qui a été décrété par le chef de l'État, en fait. Fumu Kasongo, Tulubelano Marakambo et Talibongo, l'élevé de l'état d'urgence, tout comme on était. Général Kasongo, tout comme lancé message Bongo, port des masques obligatoires dans les lieux publics, voulais-je dire. Et maintenant, tout le monde a mdengeni nyo, yambaki Bongo, message wana ya Général Kasongo. Bien, je pense que l'idée déjà de part était bonne. Hein, nous l'avions apprécié. Donc, on devrait toujours apprécier cela. Parce que, qu'on levait mesure, il fallait d'abord lever en haut.
Je pense que nous avions fait d'autres émissions qu'on avait demandé. Nous sommes obligés de vivre avec la pandémie parce que la maladie était déjà bel et bien là sur le plan international. Quand même aussi sur le plan local, il y a des contestations, machin et tout, oh non, les prémices de départ, déjà dans l'Ibandeli, et tout ça, bon, nous ne sommes pas là-bas. Mais sinon, l'idée, elle est bonne parce que le peuple, il faut comprendre qu'il y a la maladie qui existe. Il y a la maladie qui est là, il y a la maladie au Azotambola, na mon pépé, hein, sur le plan international et tout, il faut monter la moto, mais c'est assez protégé, donc il faut un masque, et ça, monter la moto, c'est une précaution, et tout ça, comment qu'on a mis l'ingle, topé, qu'on a mis battre la canne à cette pandémie, donc voilà. Et pourquoi une bonne décision comme ça semble difficile par certaines personnes? Bah, monsieur Soumaline, qu'on a ta masque, et monsieur Soumaline, qu'on a ta masque, monsieur Soumaline, qu'on a ta masque, monsieur Soumaline, qu'on a ta masque, qu'on a ta masque, qu'on a liboko, nyo sowana. Quelle analyse faites-vous par rapport à ça? Moi, en tant que croyant africain, analyste et penseur en même temps, chercheur en psychophilosophie, je voudrais dire ceci. Au moins, il y a des choses qui sont en train de se faire. Il faut que tu aies des choses qui sont en train de se faire. Tu as des masques, porté cela, tu as des masques et tout. Mais bon, tant que la pandémie est là, on a obligé les gens à porter. Mais et là, on a des choses qui sont en. Bon, cannabis, on va se rabattre à mon quoi, des fois, à un moment donné, tu es comme unilatéral, hein, parce qu'il faut pas tout n'a qu'à peuple. Parce que c'est pas un bazar, on a pas ce peuple, on a zali. Alors, tant que vous obligez les gens, on a pas d'engue mon coboye, on a s'habitué, on a voté, on doit comprendre que oui, n'engue n'a pas dit tantôt, maladie zali, il faut se protéger. Mais pour n'a l'attendre, on a 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 l'attendre, non? Il faut pas y baguer, on a battu, on a battu, on a battu, on a respiration, on a maladie, tout, on a battu, on a été, et qu'on sort. Tout le monde est tapé, mais sur le lieu public, par exemple, bah marché, bah n'engue, tout ça, bah bus, bah transport, c'est normal, il faut, parce que tout le monde est suspect, on a évité, au moins, on a battu, boga, moi, c'est que toi, comme peut-être. Maladie, maladie, c'est pareil, mais il y a obligé que bateau sucre, que oh non, ce que ça l'a tout foot en bon, belé, oui, comme au lat en goutte au foot à man, déjà sous son mandat 5000, t'es commis plus, fait décision, on a fait d'argent de l'ordre, bah je là, moi je suis contre, je suis contre, en tant qu'analyste et penseur, on ne peut pas soutenir des choses comme ça. D'abord, faut pas que nous vivions dans un pays plus pauvre, Bolobara riche. Par des richesses, mais le peuple, nous vivons comment? Au quotidien, bah, tu vas souffrir. Nous avions vécu ça. Maladie, autant que c'était bizarre, c'était bizarre. Alors, tu as besoin de on a 5 000, on a difficilement, on a un policier, un peuple, on a un masque, maintenant avec 50 000. Vous voulez ce pays? Est-ce que tu as un masque? Est-ce que tu as un masque d'abord? Parce qu'en d'autres termes, il y a un soulèvement populaire. Parce que quand vous faites des choses comme ça, vous évitez le peuple congolais, combien de dollars il y a dans mon colo, le lot dollar, un dollar vaut combien? Vaut 2300, 2200. Vous voyez ça un peu. Alors, aucun autre tient 50 000, il y a mande, mais ça n'est de trop. Et plus loin, j'ai entendu encore que, comme il même mon pas Bimamboka, à voisin, il faut que nana une herbe à foutre à 30 dollars, il y a test. Qui joue avec qui dans ce pays? Maman, qui joue avec qui dans ce pays? Et là, ce n'est pas normal. Là, ce n'est pas normal. On ne peut pas accepter tout ça. On ne peut pas, on ne peut pas. Alors, là, moi, je suis contre, contre vraiment. Hein? Nous sommes contre tout ça. Je ne peux pas accepter cela. Non, 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 non. On a besoin de l'exploitation exportation de l'homme, hein, par l'homme. Par l'homme. En fait, côté la malam, malam, moi, la moka décision, on a y a qu'on lever l'état d'urgence sanitaire pendant une période où malade est en sol congolais. En fait, décision, on est malam, tu es en malade. Bon, décision, on est en maladie dans le sol congolais. Il y a qu'on lever d'abord l'état d'urgence pendant. Oui. Cette période où malade est en train de se. Bon, déjà, il faut voir déjà que dès le départ, maladie en peuple, c'est qu'il faut en douter. Peuple congolais. Oui, les Congolais, j'ai un mot qui m'en a mis. Mais si on a des eaux salées, des populations respectées, en fait, d'accord, un masque. Voilà, tu as compris maintenant. Tu as compris. Je dis, pour le peuple congolais, j'ai un mot qui est au titre. Hein? Tu dis que. Belle maladie. Mais image là. Puis comme on voyait, hein? À l'Europe, on voyait ton bateau monter dans la maladie, on voit bateau l'acception dans la vidéo, dans la image et tout, nous battons dans l'hôpital et n'importe quoi. Mais ah ouais, tout le monde a qu'à l'image, ils ont monté dans le coronavirus, chef de l'État, l'équipe, bon, bateau réclamé, bien, nous avons vu ça. Mais de l'autre côté, on a vu les gens sous les oxygènes.
Alors, déjà, à partir de tout ça, bah, Congolais, on va dire, bah, oh, mais non, c'est pas normal. Alors, la question, c'est que va bah, lever mes Rwanda. Pourquoi? Parce que ça fragilise d'abord beaucoup des activités dans notre pays. Ça, c'est de un. De deux, l'État a raté bon et belé. Oh, l'État fallait à côté ça. Parce que n'oublie pas, cette maladie a bousillé un tout petit peu notre économie. Le l'autre, on a bah, réservé la société, l'économie en bon, un peu en décadence et tout. Il était question à ce que va l'ongola yango. Parce que nous sommes obligés de vivre avec. Si et seulement si, hein, partant de cette hypothèse. Et puis, dans mission, nous sommes dans le bac à coronavirus, c'est ça sur le plan international. Oui, mais si le plan local na Congo, ou à la mission, c'est ça, la malaria, bah, ni na condimation, avec coronavirus, n'a pas na boi. Tu vois, là, c'est moi. Mais si le plan international, nous disons oui, parce que la maladie, elle est là, elle existe. Mais, na Congo, c'est pas si ce sont les mêmes symptômes, oh, mon toi. Il y a malaria, la grippe et machin, il y a un peu de corona, il y a un peu de corona. Vous voyez, c'est là où tout le monde a dit que c'était comment que l'on a boutiqué, politisé, en même temps, puis commercialisé pour avoir un intérêt, un mesquin. Donc voilà. Un mot de la fin, il y a un peu de corona, il y a un geste barrière. Vraiment, mon avis, il y a fin pour l'émission, il y a Lelo, il y a Maman Norette. Nabisika banamboka tout ba congolais tout ba collègues tous les analystes et penseurs nous sur revue démocratique du Congo tous les clubs ya ba chercheurs ya mboka oyo et puis plateforme ya ba fumunion sur RD Congo to bengi anatc tous ala ka li sur likolo ya lisu c'est que je peux dire donc tous ala ka li sur likolo ya lisu donc peuple allons à distraction peuple congolais tika distraction ba biloko ba bengi yo pour intérêt na yo moko Il faut comprendre maintenant les ténèbres et l'aboutissant, et puis il faut qu'on peut connaître les acteurs et les RG. Voilà un peu le peu, je peux dire, comme moi, à fin, dans l'émission Ambition Alelo. Merci Fumuka Songo. Respectons les gestes barrières pour stopper la propagation du Covid-19 dans le sol congolais. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission au centre de l'actualité. J'espère que vous étiez tellement nombreux en train de nous suivre. Un grand merci à vous. On se retrouve à la prochaine.